Oui, s'il te plaît. Une minute, je t'en prie. Tu veux me dire quoi? Ouais, papa, je sais que tu es fâché contre moi, mais c'est pas comme ça que tu vas. Tu vas pas me prendre la chose, avec tu sais comment? Tu sais que je suis fâché. Je reconnais que tu es fâché contre moi. Et c'est ce pourquoi je veux qu'on parle. Vas-y, alors, il t'écoute. Fais un peu vite, s'il te plaît. C'est au sujet du. Monsieur, ton frère disait à lui qu'il est venu dernièrement ici. Ah, ok. Si c'est par rapport à lui, je vais t'écouter. En fait, attends, tu ne vas pas te fâcher, non? Arrête de mal, tu fais quoi avec les ongles? Tu veux parler, parle-moi, c'est quoi? Non, je veux d'abord savoir si tu ne vas pas te fâcher. Parce que je peux te dire, toi, tu te fâches. Je t'écoute, hein? C'est le père de ta fille là-bas. Quoi? Tu dis quoi? Attends. Je voulais dire que c'est son géniteur. Attends. Tu peux pas me répéter ça? C'est lui qui m'avait enceinte et il m'avait demandé d'avorter. Comme j'avais refusé, il était parti. Il m'a abandonné avec la grossesse. Nom de Dieu. Et tu attendais quoi depuis? Hein, Cristal? C'est que je ne savais pas comment tu allais réagir. Regarde d'abord comment tu fais. Attends, je réagis mal parce que tu me cachais quelque chose. Il fallait du temps, non? Est-ce que c'est facile alors? C'est facile de dire une telle chose. Moi, je ne savais pas comment tu devais prendre ça. Ok, comme tu m'as dit là maintenant, je t'ai mangé. Je t'ai tué. Cristal, j'ai toujours appris à dialoguer. Le dialogue, c'est la plus bonne des choses dans un couple. Regarde maintenant, il t'a abandonné, est-ce que c'est toi le problème? Ou bien, attends, ou bien, comme tu l'as revu, tu éprouves encore un sentiment par rapport à lui? C'est ça? Peut-être c'est pourquoi tu me cachais? Moi, je suis déjà en couple avec toi, je vais aller faire quoi avec lui? Je cherche quoi derrière, lui ne m'intéresse même pas, il ne me dit rien. C'est ta réaction que moi j'ai créée. Moi, je ne veux pas que tu penses comme ça de moi. Si tu me dis la vérité, je vais te manger, Cristal. Voilà la vérité que je suis en train de te dire, non. Il ne m'intéresse plus. J'étais dans manger. Parce que tu dis là que je suis restée silencieuse parce que je voulais encore aller faire les choses avec lui. Quelle chose? Quelqu'un qui m'a fait autant de mal. D'accord. Ok, là maintenant. C'est quoi la solution maintenant? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas. D'accord. En fait, si tu n'as plus rien à faire avec lui, il n'y a pas de problème. Hein? Ne t'en fais pas pour ça. Tu comprends? Ne t'en fais pas pour ça. Je pense que c'est mon ami, c'est vrai, mais entre hommes, on va mieux causer. Donc, tu n'as plus de problème. Là, c'est ma fille. Il t'a abandonné avec l'enfant. Donc, il n'a plus comme droit sur l'enfant. Oui. Mais t'en fais pas. Je suis un homme, c'est un homme. Ok? Ok. Ça va? Et c'est comment là-bas? Ça va? Ton fumage là, ça va? Ça évolue. D'accord. C'est quoi? Non, ça va. Tu sais qu'il t'aime beaucoup, non? Non, tu es un bon mari, mais d'accord. Tu sais qu'il y a des choses qui divisent souvent les gens. Non, ça ne peut pas nous diviser. Tu comprends? C'est un criminel. Et c'est très mal comporté ce jour-là. Lui, c'est mon ami. Il pouvait aussi me dire que comme tu vois là, voilà. C'est entre nous les hommes quand même. Alors quand il s'est comporté de cette façon-là, c'est ce qui me faisait mal. C'est pourquoi je ne pouvais pas dormir. Mais dans tous les cas, qu'il sache que il a enceinté une femme, il a abandonné. Ok? Alors, il a tout perdu. Je pense qu'avec sa prochaine femme, il va l'adopter un enfant. Coucou. Ouais. Je voulais qu'on cause. Oui. Je veux dire que j'espère que comme on a couché ensemble, c'est pas seulement qu'il aime Jésus au parti. C'est quelle expression là, coucher ensemble, comme on a couché ensemble? Tu ne peux pas dire qu'on a eu à faire l'amour. Moi j'ai fait l'amour avec toi, c'est pas un fait de coucher avec toi. Hein? Je ne suis pas là pour t'exploiter, tu comprends un peu? Je ne suis pas le genre de personne là qui vient et qui repart. Si je ne voulais pas avoir une relation avec toi, je n'allais pas le faire. Tu
Tu comprends? Je le dis bien parce que vous les bengistes là, on vous connaît ici dehors. Nous les bengistes, comme tu le dis si bien, tu as déjà eu un bengiste dans ta vie? Non, mais mes copines, elles en parlent beaucoup. Et j'étais, ou alors je suis le bengiste de tes copines? Hein? Je parle de moi. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc ne va pas me juger par rapport à tes copines qui sont avec les bengistes. En tous les cas, je t'ai dit, je ne peux pas te faire du mal. D'un d'abord, tu me plais bien physiquement. Et de deux, il n'en demeure pas moins que tu es quand même la petite sœur de mon ancien camarade, Jesus. Hein? Donc si je me retrouve en train de te faire du mal, ce serait aussi comme si je lui fais du mal quelque part, au vu de notre belle amitié. Tu vois, c'est ça que je voudrais que tu saches, en tous les cas. Hein? Tu as aimé? Ok, oui. Tu es sûr? Mais toi, là, tu es résistante. Hein? La copine de qui m'aime? Oh, je suis chez à l'heure. La dernière fois, j'ai raté. Aujourd'hui, là, non. Je ne pouvais même pas rater. Ah! Si tu sors tout comme ça et tu pars où? Je suis allée te voir, non? C'est quel sap comme ça? Pardon, laisse-moi. Tu as quand même têtu, toi, la fille. Comment tu peux débarquer ici sans m'appeler? Si tu viens ici et tu trouves mon mari, appelle d'abord au moins pour savoir s'il est là ou s'il n'est pas là. Si tu peux venir, si tu ne peux pas venir. Christelle, je te rappelle quand ton gars t'a connu, on était ensemble. Donc, il est dans ma cité, il continue de te dire ça. Mais maintenant qu'il ne t'apprécie pas, toi-même, tu vois que ta vie là, tu as une bonne vie. Laisse-moi ça. Moi, je suis venue par rapport au bengiste. S'il te plaît, je voulais que tu me donnes son numéro. Comme ça, moi, je vais gérer mes business avec lui. Quel bengiste? Mais le bengiste, la dernière fois, non, on parlait de quoi l'autre jour? Jansi, tu connais même. Est-ce que je t'ai même raconté ce qui s'est passé? Raconte. Attends, mets d'abord ma main. Ouais, pardon, fais vite. Ne mets pas le sein de la ma bouche. Le bengiste dont on parlait là. Tu vois aussi. On dit qui vivra. Mm-hmm. J'ai vu. Figure-toi que ce fameux bengiste que tu es en train d'espérer, draguer ou avoir dans ta vie là. Oui. C'est donc lui le père de ma fille qui m'avait abandonné avec la. Hé, hey, maman! Oui, c'est lui qui m'a demandé d'avorter. C'est lui. Il est venu. Je ne connaissais pas. Quand je l'ai vu dernièrement, moi-même, je suis restée stupéfaite. Vous voyez comment la terre est petite. On dit que les collines ne se rencontrent pas, mais les hommes se croisent. C'est ce que j'ai vu. Il a cru qu'il pouvait fuir, pouvait partir. Voilà comment le Seigneur l'a ramené. N'est-ce pas, maman, que je suis seule? Attends, je ne suis pas seule, comment? Quand tu, depuis, attends. Depuis que tu es arrivé là, tu as suivi mon téléphone sonner. J'ai pas suivi, mais voilà. J'espère. Si j'étais donc avec quelqu'un, si mon téléphone sonne, le bengiste au pays, ce sont toutes les filles qui veulent le voir. Tu vois un peu. De toute façon, vous connaissez quand vous pouvez poser vos pieds sur le pays, ce qui fait des dégâts. Je ne suis pas ainsi. Au fait, moi j'ai beaucoup apprécié. Tu comprends? J'ai vraiment franchement apprécié. Donc, dans tous les cas, ce que nous allons faire là, c'est quoi? C'est que, voilà, tu fais quoi demain? Tu as quelque chose au programme? Mais si c'est pour toi, je peux annuler tout. Ouais. Ok. Au fait, je voudrais quelque chose. Tu sais, où moi j'étais de l'autre côté là. Je menais une vie carrément de jachère, je vais appeler ça, parce que je n'avais personne dans ma vie. Et puis toi ici au pays, je me dis quand même quelque part que, voilà, tu étais en relation, non? Tu as quelqu'un dans la vie? Non. Bon, mais tu fais quand même l'amour avec quelqu'un? De temps en temps, ne me dis pas, tu n'es pas un morceau de bois, sauf si tu as aussi été déçu, comme moi je le suis. J'ai été déçu pour ça, mais ça ne fait pas vraiment... Ça ne fait pas longtemps? Oui. D'accord. Ce que je veux donc, tu sais que si nous sommes appelés à avoir une bonne relation ensemble, ça, il faudrait tout au moins que je sache que tu es en santé, que je suis aussi en santé. Bon, ce que nous allons faire, il va falloir que tu partes faire un examen. Hein, ou alors passer des examens à l'hôpital pour qu'on sache exactement si dans ton statut. Hey! Oh! Non, mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? Tu vois comment Dieu t'aime?
Comme moi, je n'ai pas de chance avec lui, donc toi, tu as la chance. Ça veut dire, attends, tu as plus son numéro, non? Tu sais derrière où il habite, non? Je veux quoi est son numéro. Hey! Je cherche à connaître où il habite, qui me sert à quoi? Maman, je disais, on t'a vendu au village. Quand ta mère t'a accouché, elle est partie te donner à ton grand-père, je sais pas, c'est comment? Il y a quoi dans ton corps, si? Tu en sais? L'opportunité vient vers toi, tu rejettes l'opportunité. C'est comment avec toi? Tu es sans ignorer que je suis en couple et que je vis avec quelqu'un. Celui qui m'a recueilli avec l'enfant là et qui a pris soin de cette fille. Si elle mourait ou si je mourais, tu allais conjuguer le verbe que tu conjugues là. Hey! Oh! C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? Tu peux m'expliquer? Attends, tu fais quoi ici? Je fais quoi ici? Juste à monsieur, à le premier de me demander ce que j'ai fait ici. Mais je te pose sincèrement la question. Est-ce que tu es censé arriver ici comme ça? Ah, donc maintenant tu programmes. Hier, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est pour elle. Et ça? C'est qui là? Je vais t'expliquer, chérie. Je vais t'expliquer. Tu vas expliquer quoi? Explique maintenant. Je comprends, je vais t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? C'est qui là? J'avais moi déjà fait ci. Je savais que je n'étais pas sérieux. Oh. J'ai déjà fait le poser maintenant. Hey, j'ai déjà fait des bengis, c'est cela. Tu m'as juré que j'étais sérieux. Yara. Voici cela. Yara. Voici ça. Yara. C'est quoi ça? Écoute, tu t'es mal comporté. Tu ne devais pas arriver ici comme ça. Tu devrais tout au moins m'appeler, me prévenir. C'est quoi le problème? Tu débarques simplement, tu arrives là et tout. Il y a quoi? Rob, qu'est-ce qu'on se dit la dernière fois? C'est dire quoi que tu partais réfléchir sur une question? Et alors, c'est justement ce que tu dis pour répondre à cette question et je crois ça. Mais tu m'appelles. Hein? Ne rejette pas le tort sur moi. Tu ne peux pas débarquer comme ça. Je regrette. Tu peux arriver ici et ne pas me trouver. C'est quoi le problème? Rob, je demande c'est qui là? C'est une amie. Qui est ton ami? Qui est ton ami là? Qui s'enferme comme ça? Qui est ton ami? Qui est ton ami? Ouais, je suis ton ami. Arrête-moi ça. Christelle, tu peux très bien gérer ton idiot de mari ici. Il est trop inutile pour moi. Je ne te permets pas. Voilà, tu peux pas se voir. Je ne te permets pas d'appeler mon mari idiot. Christelle, moi, je ne peux pas accepter les choses comme ça. Là. Tu dois connaître d'où il vit. Tu dois prendre son numéro, mon frère. C'est quoi ça? Maman, je ne suis pas une arriviste. Et je n'ai pas faim. Mon mari, c'est bon, moi, pour que je puisse manger. Donc, je ne suis pas là pour pourrir derrière ces miettes. Voilà. Les filles comme toi, là, on va aussi te lancer la banjo. Dès que tu tombes à 7, on te laisse. Parce que quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Vous aimez entendre que oh, je m'écrise. Il faut que ta main change, pasteur. Tu dois être possédé. Va d'abord te délivrer toi-même. Je ne dois pas me délivrer. C'est toi qui as le seul problème. C'est même quoi? Un bengis vient avec toi. De ce quoi, vous savez, un bengis ordinaire. Ton ex, qui a vous avez fait l'enfant ensemble. Donc vous êtes unis à vie. Tu vas seulement connaître Madame, dis la bonne phrase. L'ex qui t'a abandonné avec une grossesse, qui t'a envoyé se faire avorter et tu as refusé, il a décidé d'abandonner son enfant. Le plus important, c'est qu'il est revenu. En plus, tu auras les papiers. Il n'est pas revenu pour moi, ma chérie. Il ne savait même pas qu'il allait me croiser. Il m'a oublié. Et t'as moi, croisé. Je dois pas faire comme si je l'aimais. Christelle, il t'a croisé, donc c'est le plus important. Tu vas me chercher le bébé là. Tu vas me le chercher. Si les Français, tu auras la nationalité. Tu fais même quoi ici là? C'est quoi ça? Regarde, j'ai fini, je suis bon charbon. C'est Johnson, quoi? Regarde toute la fumée là. Johnson, va chez toi. Je ne vais pas. Je suis venue pour manger, donc tu vas me servir à la partie. N'est-ce pas? Oui. Tu as rationné ici. Mais tu regardes comment on prépare. Va chez toi, Jossi, je ne veux plus t'écouter, pardon. Pardon, regarde, tu as l'enfant, tu peux avoir la nationalité, tu sais, on appelle ça comment, tu vas manger l'argent derrière cet enfant. Regarde, tu as l'enfant, tu peux avoir la nationalité, tu sais, on appelle ça comment, tu vas manger l'argent derrière cet enfant. Tu ne sais pas ce que tu as en train de perdre, là. Jossi, c'est même quoi, tu dors. Si Dieu avait écrit que je vais finir en Europe, je vais finir en Europe, mais pas derrière. Derrière lui. Et je ne vais pas utiliser mon enfant. Si ce n'était pas derrière lui, il n'allait jamais arriver chez toi, il n'allait jamais arriver chez toi. Il n'est pas ton mari, c'est même pas son seul ami. Derrière lui. Et je ne vais pas utiliser mon enfant pour aller en Europe. Si c'était pas derrière lui, il n'allait jamais arriver chez toi. Donc, Dieu peut aussi bénir mon mari et on va vivre en Europe avec tous nos enfants. Avant tu n'as jamais vu une situation pareille. Il n'y a pas de problème, je m'aime comme ça. Il n'était pas dit que je souffrais et je ne me plains pas. Je suis pas chez toi. Tu es une mauvaise amie, pas chez toi. Je ne suis pas une mauvaise amie, que ça ne me chasse pas. Que ça ne me chasse pas. Va chez toi. C'est quoi? C'est quoi? Est parvenu comme ça. C'est comme ça que vous êtes. Mon frère. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est pas que tu oublies Noël. Ma copine, celui-ci m'a promis le mariage. Il a dit à quel point il m'aimait, à quel point le monde lui a fait une vie. Il t'a même raconté. Hein? Il t'a dit que là où il est là. Je me calme comment? Ouais, je m'explique à la personne, non?
Il t'a même dit que il avait fait l'accident, il est stérile. Il t'a dit ça, tu dois faire l'enfant. Attends, tu as besoin de raconter tout ça. J'ai besoin de le faire parce que tu es un menteur. Il faut qu'elle soit au courant de tout. C'est quel chantage là? Quel chantage? C'est un chantage. Il lui dit seulement la vérité. Après, elle s'attend à quelque chose. Écoute, écoute, je ne sais pas, toi et moi, nous n'avons signé aucun contrat. Ce que tu vas devoir faire là, tu vas prendre tes effets et repartir. Tu attends que je t'appelle et on discute. Tu appelles qui? Qui va repartir? Attends, attends, tu te prends même pour qui? Je dis, tu t'en vas. Prends ton sac, tu t'en vas. Et si je pars, on ne m'appelle plus jamais. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. C'est toi qui décides. Prends ton sac, tu t'en vas. Là où elle est là-bas? Tu me respectes. Là où elle est là-bas? Pigeon comme ça. Tu fais quoi là? Non, même pas honte. Tu fais quoi là? Non, même pas honte. Fais-moi la saleté. Gère pas ça. Je vais t'expliquer. Vas-y, je dis de partir. Il n'y a rien que tu vas te mentir. Je dis de t'en aller. Je vais t'appeler. Tu restes tranquille, je t'ai dit. Tu t'en vas, je t'appelle le moment venu. Tu arrêtes ça. Ne m'appelle pas. Tu as compris, non? Je t'envoie aussi de l'argent par rapport à ton problème. Je ne veux rien. Je ne veux rien. Ne m'en combien là-bas. L'argent par rapport à quoi? Vas-y, s'il te plaît. De quoi? Je suis un menteur. Vas-y. Un menteur. Donc, si tu l'écoutais. Je t'ai demandé. Ça, c'est terrible. S'il te plaît, tu t'en vas. C'est quoi ça? Eh, Seigneur qui m'a envoyé. Mais c'est le moment que tu restais. J'ai dit la fesse. J'avais douté de ce monsieur depuis le début. Je n'étais pas sérieux. Écoute, arrête-moi ça. Je n'avais même pas l'air sincère. Ne me touche pas. Je n'avais pas l'air sincère. Ne me touche pas. Attends, pourquoi elle veut venir entamer l'amour que tu veux? Je suis une amie, elle s'enflamme comme ça. Mais tu m'arrêtes, tu restes tranquille. C'est quoi l'ennui? Ne fais pas ça. Vas-y, je t'ai dit de partir. Vas-y. Je parle quand je veux. Chiara, si tu me respectes. Mais si je parle quand je veux, ne te respecte pas. Je parle quand je veux. Tu me respectes pas. Je ne te respecte pas. Quelqu'un ne peut pas se faire respecter, c'est moi qui t'ai dit. Mais tu es en train de me montrer un autre visage de toi. Je m'en fous. Tu montres un autre visage. Pourquoi est-ce que tu me montres quoi là maintenant? Quand je me montre, tu me montres quoi là maintenant? S'il te plaît, vas-y. Je regrette. Respecte-moi, vas-y. Respecte mon intimité. Hé! Où est l'intimité là? Tu me dis. C'est pas la même intimité que tu as avec moi dernièrement. Tu entends, tu n'entends parler. Ah, pas là-bas, tu mens. Fais-moi le vautour là. On se donne la robe, je te jure. Je t'en parle, je vais te faire payer ça un an. Attends, des promesses, tu me fais des promesses. Attends, non. Attends, moi, tu me connais pas très bien. Mais vas-y, vas-y donc. Tu ne me connais pas. Vas-y, s'il te plaît. Tu ne me connais pas. Tu t'en vas. Tu entends parler de moi. C'est parti, vas-y. Dis ça. Non, moi, je n'ai pas du duo là. Écoute, tu vas pas te laisser détruire par tout ceci, ok? C'est rien du tout. Ça, je peux te le dire. C'est rien du tout. Comme je te dis, la L-I-E-N. C'est une fille que j'ai connue et puis voilà. D'ailleurs, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas très chanceuse, hein, dans tous les cas. Reste tranquille. C'est très facile. Reste tranquille, chérie. Je reste tranquille comment? Bien. Tu m'as dit que tu n'avais personne, non? Mais attends, c'est quoi le souci? Tout ce qu'on vient de vivre là, ça te dit rien. On vient de vivre quoi? Hein? On vient de vivre quoi? Calme-toi. Non, s'il te plaît. Non, je n'aime pas je ça. Je te promets de tu ne pas te faire du mal. Tu as dit que je n'avais personne. Oh là, je ne te ferai pas du mal. Reste tranquille. Nous allons gérer notre relation calme. D'accord? Ça va? Le monde des bengues. Ça va, ça va. On se calme. Plusieurs je te présente mes excuses pour cela. Ça va? Ok? Calme-toi. Calme-toi, chérie Coco. Viens. Viens, Nabera. Viens, viens, viens. Calme-toi. C'est toi que j'ai choisi. D'accord? Tu restes tranquille, ok? Oh, un petit sourire. Voilà. Laisse tomber, c'est rien.